Attention au saut. Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Cerlin Trail, c'est un gros terrain de VTT à côté de Grenoble. Et pour ça, j'ai Maxime Rouchot qui est avec moi. Ça va mec ? Ça va et toi ? J'avais envie de te le faire tester, ouais, un truc bien casse-gueule. J'avais fait plusieurs vidéos il y a un petit moment avec, je l'avais pas ressorti, je me suis dit ça peut être l'occasion. On va se faire peur. Ouais, je pense aussi. Ouais. On a chacun un mini BMX et on a pris aussi les enduros, tout le GT et le Kona. Et on va comparer ce qu'on peut faire entre le mini BMX à 150€ et l'enduro à 5000. Le tien il vaut combien ? Oh là, t'as un peu moins. 3000€ d'équipement. 3000. Ouais, ouais. On va directement en haut se faire la descente. Let's go ! Maxime, regarde, premier défi. C'est chaud là, on roule sur ce tronc jusqu'au bout. Ouais. Mode trial. Pas trop à l'aise en trial, mais bon. Justement, on va voir ce que tu donnes en trial. Et en plus, avec le mini BMX, ça fait pas rêver. A savoir qu'on a même pas essayé les vélos, quoi. On y va direct là. Pas de frein, rien. Yes. Ok. Deuxième essai, est-ce que ça va aller mieux? Deux fois plus loin. Le troisième, c'est le bon normalement. Commence à prendre confiance là. Il est long quand même ce trou. Allez, 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 allez. Oh putain. Attention, il y a un poteau là. Allez, encore, vas-y. La quatrième, c'est la bonne toujours. Bah là, je te lance dans un truc chaud direct. Hein. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Ouais. Attention, il y a un arbre. C'est validé. C'est validé. Vas-y, je me le teste aussi. C'est vrai que après, celui qui est vraiment chaud. Non, c'est impossible avec le mini BMX, il aurait pu sauter de là à là, mais. Là, là, ouais, là, c'est tendu. Ça aurait été un peu chaud. C'est vrai qu'il n'y a pas les freins, du coup, tu dois prendre de plus en plus. Bah, c'est ça. Tu le sens comment, toi? Bah. Pareil que toi. On n'a même pas testé les vélos. Ok. Ok. Wow. Comme ça. Ouais, tu veux essayer? Sauter c'est pas possible, je sais pas. Essaye un truc vert, moi c'est mon deuxième essai. Allez vas-y. Voilà, ça prend du speed. Wow, 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 wow. Ah non, il va être chaud ce banc là. Non, ça va être chaud. Au bout, il y a des nœuds là dans le bois là, ça. Ouais. Le vélo il reste bloqué avec les petits trous. Ok. 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 Yes. Yo. Validé. Défi trial, ça c'est bon, c'était ma partie. Maintenant on va se trouver des boss et tout. Bon, peut-être pas celle-là là. Non, c'est 10 mètres peut-être. Ouais, ouais. Un peu chaud, mais. Plus avec l'enduro là. Une petite descente DH, vas-y. Bon, on va attaquer la piste bleue 350 Magnum. Wow. Yes. Let's go. Let's go. Prenez là. Le saut de la table. T'es chaud, on essaye cette table là. Ça va être énorme, je pense. Elle fait quoi, 4 mètres? Le premier qui finit sur le dos là, c'est ça? Le premier qui finit sur le dos. Je pense que ça va se terminer comme ça. En plus, de toute façon, faut sauter parce qu'il y a un petit caca de bouquetin là. Après, faut freiner quoi. Je pense qu'on va freiner, non, on va s'éjecter du vélo. Je sais que t'aimes bien sauter toi. Ouais, vas-y. Avec ça, un peu moins. Vas-y, fais-nous rêver. Après, si t'es chaud, on envoie de la figure. Hein. Le speed. Yeah. Oh putain. Freine. Tu l'as fait. Ah ouais, t'es arrivé taqué. Franchement, j'étais pas serein. Yes. Vas-y, je teste, ça a l'air trop bon. Ça pédale, ça pédale. Yes. Ah, le freinage c'est autre chose par contre. Il manque juste des freins. Alors si tu rentres le tail whip mon gars avec ce vélo, franchement. On peut faire deux choses. Ce que je peux essayer, je pars de là-haut, c'est un petit tail whip. Ok. Et après 3-6. Alors s'il rentre un tail whip. Ah ouais, c'est il va direct. Ah oui. J'étais pas prêt là. Tail whip mini BMX. Oh. Allez. You. Ça va le faire mec. Yeah, il manquait rien. Faut juste choper les pédales quoi. Ouais, parce ça que... c'est compliqué. Ouais. Jamais vu quelqu'un rentrer un tail whip avec ce vélo. Hein. C'est une première. Dernier essai. Yeah. Pied passe là. Ouais. Bon, c'était déjà pas mal de l'envoyer quand même. Hein. Faut déjà le faire tourner le vélo. Bon, allez, le 3-6. 3-6 moins un quart. 270. Attends, j'essaie une fois là, le temps que tu te reposes un peu. Allez, 3-6. Un poil sur la là, c'était un petit 270. Ah ouais. On dirait que c'est plus simple avec un mini BMX, mais en fin de compte, c'est compliqué. Wow. Yes. Voilà le 3-6. Tu réessayes une fois? Allez, je réessaye. Vas-y. La piste n'est pas finie hein. Allez. You. Allez ouais, franchement on le valide. Yes. Qu'est-ce que t'as foutu? Là j'ai fait un saut, j'ai atterri en main de vol, je sais pas ce que j'ai fait. Vélo il est dans les branches là-bas. Yes. Je suis arrivé un peu fort dans le virage là je crois. J'ai pris le virage et puis il y avait une pierre passée par dessus. Ça
ça devient vite dangereux sans les freins. Yes. Quatrième, mon gars. On a fait toute celle-là, là. Moi. T'imagines, c'est rien qu'une bleue, c'est imagine une rouge. Ouais, non, là tu meurs, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui voulait, les gars? À 50 000 pouces bleus, on fait la noire. On est parti du coup sur la rouge. On a tracé à travers la forêt là pour rejoindre la rouge. On cherchait du plus chaud. J'ai une idée, mais oui. T'as une idée? J'aime pas trop tes idées, mais c'est ça là? On saute du toit la cabane. Ok, peut-être avec l'enduro de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on pense de ça? J'en pense que. On va peut-être mourir là-dessus, non? Ouais, c'est face enfin, d'un bon mètre. Ouais, ouais. Réception là. Ouais, plutôt 1m50 quoi, du coup. Ouais. Et surtout que là, il y a la réception donc ça monte. Ouais, mets bien le casque. Je crois le pire. En mode Rampage mini BMX. Ouais. Je vais t'enlever les quelques pierres ici. Allez! Oh, oh putain, oh, c'est quoi? Oh, ça fait un bruit de fou. Ah, c'est le guidon qui a avancé. C'est quoi? Ouais, mais c'est un petit réglage. Oh, le choc. Vas-y, j'essaye, mais tu m'as pas donné envie du coup là. Ça t'a pas rassuré? Non, pas du tout. Bon, bon courage. On dirait-tu la planche dans les bateaux, c'est genre allez, on jette au requin. C'est ça. Oh oui. Alors, tes impressions? Ouais, l'impact. Ah, j'ai tout pris dans les chevilles là. Toi, tu vois la taille du casque par rapport au vélo, ça fait limite la même taille. On va faire du mini BMX trial. Il faut monter là. Tu commences? Allez, vas-y, prends. C'est là. C'est plus ton domaine. C'est ma partie. Wow. Yes. Plus de vitesse. Un peu plus. Et c'est pas évident avec tes manivelles qui font 5 cm. Deux points d'engagement. Dans le vélo. Bien au pire, on s'envoie un vrai backflip ici là, on réfléchit pas. Je te regarde faire. J'ai des mauvais souvenirs des backflips. J'ai cassé mon vélo là. Ah ouais, ouais. Vas-y, viens, je te mets les images maintenant là. Allez, go. J'ai envie de lâcher un backflip, mais. J'ai pas de me plus. Bon, je l'ai quand même lancé, gros. Pire que court. Ça va? Est-ce que je suis passé? Le vélo, oui. Le vélo est derrière. Je te laisse essayer une fois si ouais. Tu veux bien. Hein. Ok. Je me suis pris une crêpe. Le vélo, il est 4 mètres derrière la marche. Faut de la vitesse. Hein. Vas-y. Oh, le mec en moto enduro, tu sais, il balance tout. Ça passe. Vas-y, en descente. Oh. Ouais, c'est casse-gueule. Ouais. Quand même, tu vas me battre en trial. C'est la honte. Hein. Tourne la vitesse. Vas-y. You. Yes! Bah, ça c'est le guidon en avant, ça. C'est ça. Oh, je crois qu'on a rincé la puce avec le mini BMX. Hein. Ça te dit maintenant, on compare, on fait un peu des tricks similaires, mais c'est aussi avec le vrai enduro et on voit ce que ça peut donner. Ouais, je suis vraiment content d'avoir terminé cette piste avec le mini BMX parce que je pensais qu'on allait se mettre plus de gamelles. Mais franchement, résultat, on est plutôt ouais, bien sorti. Ouais, pas si mal. Ça reste casse-gueule. Je vous déconseille de faire ça avec un mini BMX, mais c'est faisable. Maintenant, on va se faire plaisir parce que là, comme je vous ai dit, on est au Serlin Trail. C'est genre une piste de ouf. Regardez, on peut sauter d'une cabane. Toi à côté pour montrer. 3 mètres de haut. Ah ouais, tu parais tout petit là. Parti du coup, on a pris les enduros, j'ai pris le GT, il a pris le Kona et tu te souviens de ce petit tronc là qu'on a fait au début de vidéo qui était bien chaud avec le mini BMX? Et bah je te propose de le refaire avec l'enduro pour comparer. Sauf qu'il faut monter dessus, rouler jusqu'au bout et après c'était chaud, il y a le banc là au fond là. Équipé, en plus t'as la dorsale, moi j'ai pris le casque intégral, on craint plus rien là. Montre-moi ton talent de trialiste. Wow. Try again. Ok, là avec de l'élan. Easy. Là. Vas-y. Je te coach. Regarde bien loin. Bien loin, bien loin, bien loin. Ah oui, il y va. Ah ouais, tu t'es chauffé là. Tu veux t'arrêter là ou pas? Je le referai bien une fois. Ça me plaît ce comportement là. Toujours plus. Ok, l'élan. Refus. Vas-y, vas-y. New try. Là, extension. Vas-y, 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 regarde bien loin. Ouais, ouais. Ouais. J'ai pas roulé en arrière. Yes. J'avais pas l'idée de sauter comme ça avec de l'élan, mais ça me plaît. À toi de me montrer. En mode DH. Je vais te montrer ma version, la version mode trial. Je pensais plutôt arriver genre saut sur la roue arrière et sauter sur le banc, mais. Allez, à toi de me montrer. Yes. Le banc s'est légèrement levé. Ouais, léger. Mais c'est validé. C'est validé. Bon, c'est chauffé là, on peut attaquer les basses. Là, on attaque. Et là, du coup, je vais un peu plus te montrer. Là, c'est un peu plus mon domaine. Là, c'est plus ton domaine, attends, les gros sauts, les gros trucs. C'est énorme parce que sur le parcours, ils ont mis des mains là. On peut essayer de se lancer des petits défis là avec. Essayer de toucher les mains en l'air. Je dois pouvoir la prendre, je crois. Ah, je le tiens là, j'en peux plus là. J'en peux plus. Ça arrive. Youhouhou! C'est validé le pouce bleu. Pouce bleu pour la figure. Vas-y, j'essaye une fois, ça m'a plu cette idée là. Il y en a un autre en bas là, tu verras. Il est pareil, encore un peu plus long. On essayera pendant notre trip. Ça va, t'es bien là, muscu et tout?
Yes. On peut voir que c'est validé. La main tourne toujours. Et bah vas-y, on va tout en haut. Poule, Serlin, attention au saut. Vas-y, c'est parti. Le dumps. Yes. Wouh. Yeah. Dans le virage. Le log de tout à l'heure. Yeah. Saut. Yes. La main. Là on vient de prendre le virage. Ici, tac gauche. Ce que t'as envie de faire Max, c'est là, saut, par-dessus, arriver 5-6 mètres plus loin, ici. Ah il est chaud celui-là. Ah, il y va. T'es parti. Allez. Wouhou. Lourd. Il finit dans les branches. Yes. Ok, là on est sur la grosse partie là Max hein. Là c'est le départ. Et là bah c'est l'arrivée. Tu penses qu'il y a combien là en longueur? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais suivant on arrive. Ah mais regardez de côté les gars. Perso, j'ai jamais fait aussi long. Déjà il faut arriver de là-haut avec le bon speed. Et puis on voit. Seulement regardez les gars, il y en a déjà plusieurs qui ont raté ce saut. Il y a une croix, un mort, deux morts, trois morts, quatre morts, il y a... Voilà, ça c'est tous les vélos qui sont morts sur ce saut. Donc on a un petit peu la pression quand même pour pas le rater. Hein. On fait un petit chouchou, on se suit Max. Let's go pour le premier. Pouf. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-nous dans les commentaires est-ce que vous avez préféré la descente avec le mini BMX ou avec l'enduro. BMX, on n'est pas mort, c'était des sensations mais un peu différentes. Pensez à vous abonner à sa chaîne, Maxime Rouchaud. Et puis est-ce que ça vous dit que je vous fasse gagner un mini BMX comme ça? On se dit quoi? Un petit 50 000 pouces bleus et je m'engage à faire gagner un BMX. 50 000 pouces bleus les gars, affolez-vous sur le petit bouton juste en dessous. Vous ferez gagner un mini BMX et si vous voulez des nouvelles vidéos, proposez-moi des petits défis avec le mini BMX, ça peut être sympa. Bah, pensez à vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir. Rendez-vous vendredi 18h, nouvel horaire. À la prochaine, ciao les gars.